Eh bien bonsoir, c'est Taco, c'est bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve au même endroit que la dernière fois en compagnie de cette corvette ZR1 et d'une femme qui veut arnaquer Danny Coury. Coucou. Oh, c'est ça. Donc entre nous, du coup on va faire cette petite mission, hein. Du coup comme c'est pas loin, on va y aller en bagnole. Rien à foutre. Ah, il s'éloigne! Reviens par là! C'est chaud, mais je tiens le coup. Si tu veux, attends, juste. Hop là. Pas grave. Vous allez voir, on va le rattraper! Tanner! Ah ouais, c'est beau! Et non, c'est moche. Allez! Va pas nous! Nous laisser un plan. Oh, 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 oh. Il se fout pas un petit peu de moi. En fait, pour tout vous dire, je crois qu'il fait le tour du pâté de maison. Ne me dis pas que... Eh si, regardez, il fait le tour du pâté de maison. Il fait le tour du pâté de maison. Hein. Hey, stop, please. Stop the vehicle now. Eh bon, allez. À toutes les unités, policiers blessés dans une ruelle entre Bryant et Crabbe. Quoi ? Une minute. 40 Alpha 30 en route vers la collision. Comment tu sais que c'est une collision ? Mais attends, qui a parlé de collision ? Toi. On n'a pas le temps pour tes délires. Mets le turbo, Tanner. Bryant et Crabbe ? Mais attendez, c'est là où au début ils se sont... Tu vois où c'est ? Jones, tu m'as bien regardé ? T'as l'air super naze. T'as besoin de sommeil, dirait un zombie. Ouais, ouais. Mais Bryant et Crabbe, c'est là où au tout début de l'histoire il a eu l'accident ? Attendez, je me souviens plus trop là d'histoire. Éteins cette radio, bordel, s'il te plaît. J'essaie. Je vais pas lancer ce truc par la fenêtre, je te jure. Toujours au top. Oi, oi. John ? Ouais, et l'indicatif d'appel ? Tout va bien se passer, Tanner. Tu vas y arriver. Ouais, on sera là dans environ 30 secondes. Dégage! On n'est pas à Bryant et Crabbe, là. Ce type est un peu trop pressé. C'est Jericho. Je poursuis. T'es sûr, John? On a une autre mission. Oublie notre appel. On va choper Jericho. Oh, shit. Jones? Où est-ce qu'ils sont tous? Il y a plus de Jones. Enfin, on dirait. Si, il y a encore Jones dans la bagnole. Mais il a l'air d'être figé. Oh. Oh. Oh non de gueule, il a pas l'air d'aimer là. Il n'aime pas là. Qu'est-ce qui est arrivé à cette ville? Ah bah, toi de le dire. Ah merde, je pilote! Alors si je me souviens bien, il faut se diriger vers les corbeaux. Vu que c'est le signe de Jericho, donc il faut se diriger vers les corbeaux. Donc on va se diriger vers les corbeaux. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah oh bah j'en ai aucune idée. Mais la suite. Ou quoi? La cinématique aurait dû réparer ma caisse. Continue. Où sont les corbeaux? Là. Pas l'air d'avoir de corbeaux. Merde. Ok, je vois. Wouh. Oh merde. Une fois de plus. Allez. J'en mets. Fais de la merde avec la cinématique. Alors, c'est où? C'est à droite. Je peux pas te dire, il n'y a pas les corbeaux. C'est là-bas alors? Bon, écoute, on va aller là-bas. Quoi? Oh merde! Ah, on tourne en rond. Ok, reset. Bon, ben, on va là alors. Ouais, ben, ils sont là les corbeaux. Ok, ok, je vais enfin quelque part. Je sais pas encore où, mais j'y vais. On va aller tout droit. Merde. Ça commence à me faire flipper. Plus on a plus rien, plus de GPS, plus rien. Allez, John, ressaisis-toi. Tu peux sortir de là. Alors c'est là-haut, ça je m'en souviens. Et hop là. On dirait que le ciel s'éclaircit.
Ça suffit comme ça. On ferait bien d'arrêter. Jéricho. Nom de Dieu. Encore Jéricho. Encore Jéricho. Quel oh, je m'en... Tordu. Oh, non, Dieu. Allez, John, arrête de te poser des questions et fume-les. Là, ça pue. La vie de notre challenger va prendre un tantinet cher. Et la porte s'est ouverte. Fils de... C'est ça, t'as tout compris, fils de... Ah, ils nous l'ont mis. Il y en a trop. Je suis exposé. Il faut que je m'enfonce dans la ville, là où les rhumes seront plus favorables. Ah. Tu m'as fait mal. Il y a même plus les PDA. Il y a plus. Il y a plus. Oh. Putain, la poubelle. Ah. 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 J'encaisse pas mal de dégâts. Oui, mais je le vois pas les dégâts là sur te. Il y a même plus le turbo. Il veut bien conduire à la mairie. Appelle-toi un peu, John. Tu veux que je fasse quoi? Non, mais non, il me déglingue. Non. Heureusement que j'ai une conduite GM. Ah si, il y a le turbo. Mais c'est pas facile quand il est pas affiché. Aïe. Ok, aïe, tout droit. Oh, oh, fuck. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On tourne. Ah, on tourne. Voilà, j'ai trouvé la tactique. Faut jamais tirer tout droit à chaque fois. Je suis toujours tourné. Là, vous voyez, là, j'ai pas tourné. Et il y a un petit fumier qui m'arrive droit devant. Et bien sûr, comme là, du coup, j'ai plus envie de tourner dans la ruelle, il y en a un autre. Mais là, par contre... Olé! Bon, du coup, ça va me faire un petit détour. Hop! Ah non, pas peut-être plus... Non. Ah! Je vais nous tirer de là. Ah oui, en plus, il parle à sa caisse. Ouais, c'est sûr, là, il y a un petit peu plus de ruelles. On va mieux s'amuser. Oh non, non. Oh non! Pas ça. Oui, c'est sûr, il fait jour. Mais non, pas ça. Oh non, je veux pas revivre ça. C'est pas la bonne ruelle. Oh, chier. Et c'est pour ça, c'est ça l'impression de déjà vu. Il est passé où? Non. J'ai déjà vécu ça. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, John? Déconne pas, mon vieux, allez. Hé, il est derrière nous! Oh non, de Dieu. Ah, allez, mec, fonce, fonce! Moi, je suis vraiment pas dans mon assiette aujourd'hui. Mon Dieu. C'est ça. Ça va arriver. Il faut que je change ça. Il le faut. Accroche-toi. Quoi? Mais il avait déjà fait ça. Au contraire, il aurait dû accélérer. Redémarre. De South Beach, oh, du centre-ville et des quartiers voisins, d'évacuer calmement et rapidement le secteur sans céder à la panique. Merde. Aucune revendication n'a été faite. Les forces de l'ordre ont néanmoins confirmé il y a un peu plus d'une heure que le criminel Charles Jéricho était à l'origine de cette menace terroriste. Des informations viennent de nous parvenir du porte-parole de la police. Il semblerait que la ville soit menacée par une arme de type chimique. La police demande aux automobilistes d'abandonner leur véhicule immédiatement pour accélérer l'évacuation de la ville. Vous regardez KEOC News, l'œil sur la ville. L'œil sur la ville, alors on doit garder l'œil sur la ville. L'œil sur la ville, c'est toi, Ray, on se bouge. Il faut que je l'arrête. Oh. Tanner, John, reste avec moi. Allez, mon vieux, bats-toi, bats-toi. Tanner! Si tu m'entends, mon pote, il faut que tu te battes! Encore un peu! Allez, encore un peu.
C'est ça, encore un peu. On va finir de résoudre l'enquête, puis après, on va se réveiller pour de bon, on va tous se déglinguer. Allez! Chargement! Laisse tomber, Tanner. Détends-toi. On arrête les conneries. Tu cherches la merde, Jericho? Tu vas la voir. Une fois mort, t'auras plus à combattre. Tu t'emmerdes, Jericho. J'abandonnerai pas. J'abandonnerai pas! On peut dire ça. Bon, désolé pour le petit bruit en arrière-plan, je sais même pas si vous l'entendez. Je vais te choper, Jericho! Tu m'entends? Là, par contre, ça va pas être facile. Allez, on prend ça. Mal joué, Tanner. Si t'es ici, qui s'occupe de ta voiture? Montre ce que tu sais faire, et on verra après. Hein? Tu veux utiliser tes pouvoirs sur moi? Belle où ma bagnole? J'ai des bagnoles de la ville sur la gueule si tu veux, Jericho. Ça m'empêchera pas de te choper. J'espère que tu t'amuses, Tanner. Parce que tu vas rester ici très longtemps. Sors. Tais-toi. Ah, il a pris la voiture que je voulais fumer. Ce tas de caca. Allez, une bonne bagnole, une bonne Jaguar. On va se louper. Comme je me souviens, il va partir dans ce sens, donc je prends ça. Aïe. Je peux échouer si je suis dans ma tête. Ta mère. Toi ici. Ta maman. Je vais dans une chambre d'hôpital, les infos à la télé. Fume. Ensuite, je repars. Oh. Je dois rêver, je rêve. Il m'a loupé. Waouh, tu perds vraiment les pédales, mec. Non, Jones, aujourd'hui, pour la première fois, je viens de comprendre. Ce coup-là, c'est pour de bon. Non, il s'est flingué lui-même. Ça, c'était bien. On le perd. J'ai besoin d'un kit de réanimation. Allez, bats-toi, John. Bats-toi. Salut, Dana. Ah non, pas sur le pont. On va être là. C'est mon cerveau. T'es toujours aussi pragmatique. Bon, les amis. Si, fais pas ça. Cette vidéo va durer un petit peu plus longtemps. C'est qu'une ou alors, j'essaierai de la couper. Tu sais quoi? C'est pas un rêve, Dana. C'est un coma. T'es en train de mourir. Ah! Oh! Concentre-toi! Concentre-toi! Attends. Attends un peu, j'ai vécu les infos télé dans ma tête. J'ai rien résolu du tout. Je me sens. En tout cas, la bombe de Jericho n'a toujours aucun sens. Nom de Dieu de... Nom de Dieu de... Nom de... Il me balance des bagnoles dessus! Comment il a fait ça? C'est rien ça. Oh. Faut que je reste le plus proche! Concentre-toi! Ah! Ma petite, je sais que t'es pas faite. Reviens ici, bordel de merde! Ah! Je veux pas le perdre, ce fumier! Ce tas de caca! Comment est-ce qu'il fait ça? Je vois, c'est dans ma tête. Pour mon prochain coma, je vais à un yacht. Un yacht aux Bahamas avec des filles qui dansent. Faut que je reste le plus proche possible de lui. Pute. Ah, espèce de salaud. Beaucoup trop. Non, en fait, à mon prochain coma, je veux des cocktails avec des masseuses. Et tout sur la plaque, faut que je le rattrape. Aïe, c'est bon, il revient. Ah putain, il a pris cher. Oh putain. C'est le magnum, il est à l'air là. Le 446. Pac. Qui est dans la tombe, Tanner? Mais c'est vu. Oh non, le vieux. Putain, je vais aller à la contre. Ouah, ça clignote. Ça fait bip 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 bip. Maintenant. Ouais, éclate-toi bien, Jericho, parce que dans la réalité, je vais t'arracher la tête. C'est ça, ouais. Ouais. Wow.
Si je me prends encore une bagnole, je suis mort. Sa bombe au cyanure n'a vraiment aucun sens. Ouais, non, faut pas que... Aucun choc. Aucun choc. Aucun choc. Oh putain. Eh merde. Non. Jeez, le trafic comme vous qui... Ah ouais, mais tu veux que je fasse comment? Eh oh. Non, toi, tu attends. Wouh. C'est bon, du coup, elle est full life, ça va. Faut que je le colle un max. Ah! Dégagez! Non, en fait. Reviens ici, porte. Faudrait que j'essaie de me mettre en sens inverse. Ça pourrait peut-être faire quelque chose. J'ai bien dit peut-être. Ou alors ça va être. Comment il a fait ça? Non. Non, non. Le trafic, il est trop dense là, non. Non, c'est pas une bonne idée. Mais il peut m'en balancer aussi à sens inverse des bagnoles, non? Parce qu'ils me disent, utilisez le trafic comme bouclier. Mais je veux bien. Ah, ben voilà, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai tué le jeu, les amis. Mais dégagez. Mais dégage. Dégage. Rien ne pourra m'arrêter, Jericho. Rien. Bon allez, on va y aller à fond. Ah ben voilà le bouclier. Attends, attends un peu. J'ai vécu les infos télé dans ma tête. J'ai rien résolu du tout. Reviens ici, portail de merde. Voilà. Voilà, j'ai une idée. Du coup, je prends pas de dégâts. Pour mon prochain coma, je vais à yacht. Du coup, je prends pas trop de dégâts, on va dire. Merde. Ah. Cette qui est parfaite pour encaisser. Mais on a vu pire, toi et moi, non? Ouais, on peut dire ça. Oh non, de tu. En fait, on va zigzaguer. Juste trop. Beaucoup trop. Oui, c'est ça, une bonne cassonade. Allez. En fait, c'était une bonne idée en sens inverse. Je vois, c'est dans ma tête. Non, en fait, à mon prochain coma, un cocktail avec des. Ah, ben voilà, la bande d'arrêt d'urgence. La plage de mon île privée. C'est ça, hein, quand ça. Hop. Ouh. Ouais, ouais, claque-toi bien, Jericho, parce que dans la réalité, je vais t'arracher la tête. Dégagez. C'est ça, merci. Dégage. Ah. Je le perds. Mais le gars, il me fonce dessus. Je le perds. I know it. I made. Bon, allez. Espèce de salaud. Ah, d'accord, il se rattrape. Si tu veux. Aïe, c'était pas... Non. Pas la bande d'arrêt d'urgence, sens inverse, là. En fait, il veut me faire traverser la ville. Donc, dès qu'on aura traversé la ville, ça y aura pas longtemps. Ça sera fini. Elle me crie. Elle crie déjà à la voiture. Ok, par là. Wow. Il a dit stop. Ah, dans la cinématoche, elle est neuve. Ok. Je t'ai manqué. Il y a quelques heures de ça, j'aurais foncé droit dans un mur pour te crever une bonne fois pour toutes. Pourquoi t'as changé d'avis? T'as les raisins tout secs, avoue. Rien de tout ça n'est réel. Ça servirait à quoi? Ça te ferait du bien. Hmm? Me casser la gueule. Ouais. Me briser les côtes. Me voir saigner. C'est ça que tu veux.
Alors pourquoi tu t'amuserais pas un peu? Et après, hein? Après? On recommence, bien sûr. Tu me défonces jusqu'à ce que tu finisses par t'en bousiller les mains. Ou que tu tombes et que tu bascules de l'autre côté. Tu sais, Coma, c'est juste une façon de dire que t'es condamné. Qui sait combien de temps il te reste? Si j'étais toi, je perdrais pas mon temps à discuter. On ferait bien mieux de s'entretuer. Là, maintenant. Espèce d'enfoiré! C'est ça, mon vieux, allez, vas-y! Quoi que tu fasses, tu ferais mieux de te manier le train. Tu la sens, l'odeur de la mort, Tanner! Wow, wow, wow. Maintenant, c'est moi qui pose les questions. Sans que ça va me plaire. Quand je me suis réveillé, à l'hôpital, on parlait que de ça aux infos, une sorte de... de bombe chimique ou... Ça me ressemble pas, ça. Jericho n'est pas un terroriste. C'est pas une vendetta ou une vengeance. La vengeance, c'est ton truc, Tanner. Fais un effort, on est dans ta tête, après tout. Ouais. Ça peut pas être lui. Il est plus malin que ça. Merci. On peut dire ça. Je sais. Poser une bombe, c'est pas son genre. Alors que faire croire qu'il y a une bombe, c'est... du génie. Ça dégagerait le centre-ville. Ça lui laisserait le champ libre pour... Merde, il faut que je me réveille. Bonne chance, mon grand. Allez, allez. Allez, vas-y, bon sang. Allez, John. Réveille-toi. Réveille-toi. Bouge-toi, nom de Dieu. Bon sang, réveille-toi, John. Oh. Bon, là, je me souviens de la fin, mais je vais pas vous spoiler. Attends un peu. L'autoroute, dans ma tête. Les voitures, dans ma tête. Jericho, pareil. Ok, ça change tout. Je vais me mettre à balancer les caisses, moi aussi. On peut dire ça. C'est quand que je peux shift? Les règles ont changé, Jericho. On va prendre ça. Je vais avoir une grosse... Oh, je crois que... Ça, c'est bien, ça. Oh, alors, j'aime mon coma maintenant, ordure. Ordure. Ça, c'est bien. Prends ça. Ah, il a pris cher. Alors, je suis fortement désolé, mais il a pris cher. Ça aussi. Ouh. T'es sur une pente glissante, Tanner. Et ta maman aussi. Tu vas crever, Je vais t'écraser, Jericho, doucement mais sûrement. Limite, je me suis pris ma propre bagnole dans la gueule. Oh, qui craque, Allez. Tu vas te prendre un headshot. Trop loin. Vraiment tout ce que tu sais faire, espèce d'enfoiré. Vu comme je fais mumuse avec toi, hein? Alors ça, c'est pas trop loin. Ta gueule, espèce de fumier. Allez, du coup, ils ont... Tu es ici, Jericho. Et quand je me réveillerai, je te trouverai pour en finir avec toi. Ah. Soit je lui mets une raclée, soit c'est terminé pour moi. C'est un problème. Ça, j'aime pas les Giulenta. Je vous ai dit que j'aimais pas les Giulenta. C'est juste un avant-goût de ce qui t'attend dans le monde réel. Et puis on va finir par un petit taxi moche. Go, go. Tu peux y aller. Qui s'est loupé? Ah! De merde. C'est bon, il est mort. Je l'ai battu. Il fait jour. Je dois battre la mort. Ok, John, réveille-toi. C'est l'heure. Il est l'heure. L'heure de se réveiller. Donc, entre nous, les amis, je vais essayer de couper. Ah. Je pense que je couperai l'épisode juste avant ça. Donc là, on est sûrement dans un épisode suivant. Hé, hey mec, ah, ça fait du bien de voir que tu vas... Éteins cette foutue télé avant que je vide mon chargeur dessus. Que tu vas bien. Hé, rallonge-toi, mon pote. Écoute, il me faut une caisse. Il te faut un froc. Ouais, c'est ça. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour ta caisse. File-moi ton froc. Tu peux répéter... Bordel, Jones, j'ai pas que ça à foutre. Il faut que j'aille immédiatement au centre-ville. Il faut que tu restes au lit. Écoute, t'en as bien bavé. T'es pas dans ton état normal. Me parle pas comme si j'étais cinglé. Écoute, je sais que j'en ai l'air, mais crois-moi, je perds pas la tête. Tu dois me faire confiance.
J'aimerais bien, mais... Il n'y a pas de bombe, Jones. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une diversion. Jericho cherche à brouiller les pistes. Écoute, il faut que tu me croies. Je sais ce qui se passe. Ouais. D'accord. Mais pour le froc, mon pote, tu te démerdes. Merci. De rien. Oh, une Camaro rose. Et c'est reparti. Et là, du coup, il se regarde dans le rétro et il se dit « Ah, c'est bon, c'est vraiment moi, là. » Allez. Ok, John, je suis pas sûr que ce plan soit si bien que ça. À l'heure où je vous parle, les forces de police donnent toujours la même consigne à tous ceux encore présents dans le centre-ville. Il doit être évacué d'urgence par tous les moyens disponibles. Nous ne disposons que de peu d'informations. Toujours selon la police, une arme chimique de destruction potentiellement massive pourrait exploser en ville. Les autorités ont confirmé que Charles Jericho avait effectivement envoyé un message d'avertissement. Mais pour le moment, aucune exigence n'a été formulée. Mais je viens de comprendre, en fait. On vient de m'informer à l'instant que les équipes de déminage viennent d'être rappelées. On nous ordonne de quitter la zone. Ça va. Ça va exploser. Faites. Oh mon Dieu. Mon Dieu, c'est pas vrai. Oh nom de Dieu. Je peux voir un énorme nuage de gaz. Il est plus grand que les immeubles. Mais où? Ah! Écoutez, en fait! Parasite? Radio et HS? Attends, comment un nuage empoisonné peut faire ça? En fait, okay. Toujours vivant. Je viens de comprendre! Donc, c'est pas du cyanure. C'est un écran de fumée. Avant qu'on se réveille, vous savez, on a vécu des turbulences. C'était un moment où on se faisait transférer vers un autre hôpital. Et du coup, maintenant. On était à l'hôpital de l'autre côté de San Francisco. Et voilà. Fais gaffe, John. Ils allaient voir. Centre-ville. Ça va chier. Mais y'a quoi là-bas pour Jericho? Rien. Des prisonniers? C'est une évasion. Il est dans cette foutue prison. Merde. J'aurais bien aimé qu'on puisse en écraser quelques-uns. Je te tiens, espèce d'enfoiré. Oh, d'accord. Ouais. Oh non, une fois Victoria, la peau. Putain, c'est l'apocalypse. Ah, Jericho. Pas mal. Quand les fédéraux comprendront ce qui se passe, tout un tas de criminels auront filé. Ouais, c'est toi, ça. Toi, tu seras en train de siroter tranquillement des mojitos. Et toi, tu vas faire quoi? Moi, je serai très occupé à dépenser ton pognon. 30 millions durement gagnés. Sauf qu'il y a Tanner qui revient. Tire-toi d'ici. Un problème? L'emmerdeur est de retour. Ok, d'accord. Ok, c'est parti! Je t'aurai, sale ordure! John! John, réponds! T'avais raison pour la bombe! J'étais à l'heure pour une évasion! Les renforts arrivent! Quelle est ta position, John? Devine quoi, mon pote? Je suis en chasse à Soma, vers le sud! Jones? Jones? Ah merde! On a perdu la liaison avec Jones! C'est pas avec son ram de mes deux qui va me. Diston! C'est. Mais putain, c'est moi, il y en a un qui vient d'ouvrir une... Tu l'as senti? Abandonne, Jericho. Oh, ça va. Putain, ils ont la porte ouverte. Ça, c'est bien la première fois dans le jeu qu'on voit... qu'il a la porte ouverte. Je voulais pas l'abîmer. Enfin, tenter. Bon, la prochaine rayure, c'est dans... C'est pour toi, Jericho. Voilà, viens par là, tu vas... Non. Ah. Ça fait mal, non? Ouais. Ah mince, on a plus de turbo du coup, vu qu'on est dans la vraie vie maintenant. Nya. Oh oh. Excusez-moi. Hop. Mais c'est... On peut... Ah ouais. On peut fumer la porte. Allez.
Un conseil, Jericho, renonce. Il est où ce tas de caca? Ne me dis pas que... Ah! Alors là, je lui en ai enlevé de la life. Point de vue conduite, je pense pas que c'est ce caca qui va me... comme les briser, hein. Et je rattrape. Allez. Où est-ce que tu vas? Oh non de... Oh oui, je m'en souviens. Il va faire demi-tour. Il va prendre le tremplin où on était avec... Kirby. Là, quand on était avec Ordel. Pharrell Williams. Souvenir. C'est bon d'être de retour. Ah, j'ai loupé. Il m'a feinté. Par contre, ta bagnole, elle est... Oh non, je fais n'importe quoi. John, réponds, John Tanner. Ah! Les équipes de secours ne laissent entrer personne dans le nuage de gaz. C'est moi, mon pote. J'arrive, c'est où? Joyce, je suis en chasse. Jericho se dirige vers Hunter's Point, sûrement les docks. Bien compris, Hunter's Point. Prudent, John. Tu vous connais. Vous ne passerez pas. Ah, t'as laissé ton parchemin. Tu penses aller où maintenant, Jericho? DTC, mother. Bon, là, c'est jamais. Oh, c'est news. Allez, redémarre, Camaro pourri. Je préfère la toute nouvelle qu'il y a dans Hawaii 5-0. Ah, c'est ma tâche. Oh oui, alors là, les amis, regardez bien. Le final, regardez-moi ça. Ici 40 Alpha 30, il faut des renforts à l'entrepôt de Hunter's Point. Jones, tout était sous contrôle. Sous contrôle? T'étais à deux doigts de défoncer ma bagnole. Bon, alors maintenant, on va se la boire cette bière. On peut dire ça, mon pote. À toutes les unités, véhicules volés se dirigeant à grande vitesse vers Marine Ridge. Centrale, ici 40 Alpha 30, on s'en occupe. T'es vraiment sûr, John? Quoi? Ouais, t'inquiète. Pour l'instant, cette bagnole tourne nickel et ce serait dommage. Comment ça, pour l'instant? Ok, fais comme tu veux. Mais moi, je prends une position fétale, d'accord? Eh, vire tes pieds. Attends, je dis juste au revoir à mes fesses. Ah là là. Ben voilà les amis, c'est la fin de cette série. Enfin, du mode histoire. Je savais que vous m'avez vu venir. La fin du mode histoire. Et ouais, parce que après il y a le mode livre, ça va débouler, ça va chier, hein. C'est ça. Quoi, du coup les voitures de police de derrière là. Jamais retrouvé.
Je sais même pas quelle marque c'est, faudrait qu'on s'approche. Allez, approchez-vous de la marque, là je veux voir c'est quoi comme marque. Oh yeah. Da 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 da. On dirait que c'est une Ford. Non, c'est un nom nul à faire caca là. Je reconnaîtrai le logo quand on sera dans le garage. Je pense. Hein. Et ben voilà les amis, ça y est, c'est générique. Sans musique du coup. Et ouais, sans musique. Et ouais. Voilà les amis, donc du coup ça va durer une petite demi-heure, donc du coup je pense que je couperai. Défi survie déverrouillé, combien de temps survivrez-vous accès? Ou d'un garage? Survie, c'est quoi ce bordel? C'est juste un défi. Rien de... très extraordinaire les amis, on va juste aller voir dans le garage voir ce qu'on a un petit peu débloqué. Bah oui, bonus de revenus, ça c'est... Ouais. Alors dans les véhicules, on a toujours la Fiat Tabarda, dans Alfa Romeo, je vous avais dit, sort de question. Ça sort de question. Aston Martin. Aston Martin, on n'a rien débloqué. Ok, vu qu'il faut qu'on achète encore d'autres garages. Ils auraient pu nous donner de la thune pour la fin. Ah ouais. Ça, c'est, ils ont été radins, là. L'Eldorado. Et... Chevrolet, mais Guy Appen, je veux bien, mais bon. Et voilà, et du coup, derrière, on a la Corvette ZR1. Voilà, DeLorean Challenge. Elle coûte combien? Hein? Pour un de... Mais ils sont sérieux? Un de volonté? Ils se sont vraiment dit, bon, comme ça, au moins tout le monde l'aura. Un de volonté, sérieusement. Sérieusement. GMC, bon, voilà, on a le temps, Houston Hornet, on va débloquer ça dans les futures vidéos. Il y a la Wrangler, la Jeep, on a débloqué la Lamborghini, la Lancia, la classe Stratos, la Tom Car, on a déjà, bon, la Maserati, McLaren, du coup, vu qu'on a fait la dernière mission, voilà, après, on finira d'acheter la Skyline, mais bon... Voilà, ça c'est pour Playes. Pontiac, c'est hors de question. Ram, on tentera d'acheter celui de Jericho. On a Range Rover qui a l'air pas mal. Chez Porsche, on n'a rien débloqué. Chez Porsche, on n'a rien débloqué. Shelby, donc du coup, on essaiera de débloquer. C'est les vannes. Ouais, chez Volkswagen. Allez. J'attends la Sirocco R, mais celle de derrière, là, parce qu'elle est beaucoup mieux. Voilà, et where, voilà. Et par contre, du coup, c'est chier, et du coup, c'est quoi la marque de la bagnole de police qu'on n'a pas reconnue? Ah oui, il y a aussi la Pagani Zonda. La Zonda Sync, voilà, c'est la voiture la plus rapide du jeu. Voilà, qu'on a pu tester en compagnie de Ayumu et June. Voilà, Japala Jeep, voilà. Voilà, bon, on n'a pas beaucoup de thunes là. On se finit sur la dèche. Ça, c'est pour. Après, je me dis, mais elle était peut-être chez Aston Martin. Non, elle était pas chez Aston Martin. Ouais, bon. Ah oui, Bentley, faudra qu'on achète ces garages là, en se faisant un petit peu de thunes. Et puis voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Allez. On va choisir une voiture à acheter qu'on va tester. Je sais pas. Chez Chevrolet, y'a rien de très. Sympatoche à prendre. Ah, y'a la Charger RT aussi. Hein, je sais pas. Ouais, tous les camions aussi. On a du taf. Hein. Chez Ford, Taurus, Chao, Mustang, convertible. Il y a 300 de Victoria. C'est ça. Voilà, et la future la Ford Victoria de police qu'on va débloquer. Qu'on débloquera. Ford F-150 XLT Super Crew. Ok. Ford 350. La Mach 1. La Fastback. La Shelby. Et la RS200. Ah oui, ça c'est le celle de course un petit peu sur la terre. Bon, bah. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose. Osmobile, bon, on verra pour l'autre, mais bon, on ne se presse pas. Ben non, écoutez, par si vous voulez vous acheter une Beetle. Non. Non, mais écoutez, on va s'acheter est-ce qu'elle est là, on va faire notre kéké. Oui, allez, vas-y, on fait notre kéké. On va faire le kéké. Oh, elle est rouge. Ah, elle est décapotable. Pourquoi j'ai jamais essayé dans ce jeu pour voir si on pouvait décapoter et capoter. Ah, c'est ça. C'est ça, les amis. Regardez-moi ça. Pas joli. La marche arrière, c'est là. Par contre, les freins, ces petits trucs là qui scintillent, ça se voit à peine. Ça se voit à peine. Sans déconner, ça se voit à peine. Hop, hop, hop. Coucou. Bah ça se voit à peine. On va essayer de la détruire pour voir si ça marche bien. Du coup ça va pas vite. Hein. Attendez, il y a un truc cinéma à droite. On va se quitter juste sur... Bon écoutez, on va pas perdre notre temps à défoncer cette bagnole. On va juste essayer de dénicher une Ford Victoria. Pour finir l'épisode. Mais ça va être dur. Se dénicher une Ford Victoria pour finir l'épisode. Ah, ah là là. Ah, ah. Comment on va faire? Ah. Ah, on chauffe. On chauffe. Là, qu'est-ce que c'est? Ah, non, on déchauffe. Ah, j'ai vu un truc là. Oh, bah ouais. Bah non. Et je vais une faire de Victoria. Non. Où est-ce que c'est? Ah ça, ben ah c'est ça, ça c'est une. Parce qu'on recherche, parce qu'on recherche, et ben y a rien de ce qu'on recherche les amis. On se fout de votre gueule, littéralement. Bon du coup je vais prendre ça, hein. Bon. Le chat avait un chaton à deux têtes, Steve. À deux têtes. Quoi? C'est bien un signe, non? Regarde le ciel. Et me dis pas que tu vois pas ce qui se passe. Si, quand même. Un petit peu. Un petit peu. Un tout petit peu. Donc, les amis, je pense qu'on va se laisser sur un bon petit drift. C'est pas ça, mec. Ah, pas le choix. Foireux le drift par la même occasion, je pourrais rajouter. C'est quoi, mec? À ce stade, j'ai hâte d'y passer. Je vais prendre ça comme un compliment. Ouais, si tu veux. Yep. Ouais, j'ai cru. Je vois des forts Victoria partout dans le jeu maintenant. C'est ça. Donc, entre nous, les amis, moi, sur ce, on va finir sur un joli drift.
Voilà. Donc, entre nous, les amis, sur ce... Les jetons. Moi aussi, j'ai les jetons. Il se fout de ma gueule, le camion. Continue. Jusque là, on a compris. Voilà. Donc, entre nous, les amis. J'ai même pas envie de vous dire au revoir. Voilà, j'ai envie qu'on reste ensemble pour la vie, pour l'amour. Oh, excusez-moi. Fais-le bien. Aïe. Oh. On y est. De toute façon, je suis déjà mort. C'est toi qui le dis. Moi, je voulais des portes victoriennes, j'en ai trouvé une, mais elles étaient en service. Voilà. Regardez, on est remonté à 11 000 juste en faisant du drift. Voilà. Reste sur la route. Je fais ce que je peux. Oh là 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 là, on passe à 12 000 bientôt. Regardez-moi ça. On affole le compteur. Voilà. Bon, on va vraiment se laisser là, parce que là... on va vraiment se laisser, on va juste se laisser... voilà. On va se laisser dans le mur. Donc entre nous, les amis. Moi, écoutez, je vous dis bisous et à la prochaine pour des nouveaux essais. Donc du coup, en libre, toujours sur Drive à San Francisco. Hein, donc voilà. Donc moi, les amis, on fait un burn. On en a rien à foutre. Donc moi, les amis, moi, je vous dis bisous et à la prochaine. Oh merde, non, ça c'est la sonnerie de mon téléphone. Toujours pas. Ah, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, bisous!